wetu. D'abord, nous te disons merci. Kya kwanza tunakupigia asante. À cause de la vie que tu nous as donnée. Njuu ya hii uzima unetupatia. Et par-dessus la vie que nous avons. Kuangalia hii maisha tukunayo. Tu as mis le fait de te souvenir de toi. Uruweka mawazo yetu tuanze kukumbuka. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison. Njo kwa maana tunakuja mwepo wako. Il est écrit que tu es le Dieu qui conduit les pas des justes. Inaandikwa kusema uko Mungu kunongoza miguu. Et pour ça, oh Dieu. Asante Njo ya ile o Mungu. Il est écrit que tu dans une assemblée où il y a deux ou trois qui sont réunis sous ton nom. Inaandika fashi paiko bawili wala batatu beni kusanyika mjina lako uko nashuka. Descend maintenant au milieu de nous. Et au nom de Jésus-Christ. Prends la prééminence de cette assemblée. Tawala katika imakutano. Puisses-tu, oh Dieu, te mouvoir dans cette assemblée. Uwezi kutembea katika imakutano. Chacun puisse expérimenter que tu es au milieu de nous. Na kila mtu waonje kusema uko katikati. Ainsi ceux qui sont entre faibles. Ivi bale baringia bazaifu. Puissent être fortifiés. Bapate kuwa na nguvu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Ceux qui sont entre puisse être guéri. Babate kupona. Car ta présence, mana uwepo wako, c'est une présence qui vient avec toutes les bénédictions. Ni uwepo inakujaka na mabaraka zote. Nous laissons sous la conduite du Saint-Esprit. Tunaweka chini ya uongozaji ya Roho Mtakatifu. Le vase que tu vas utiliser. Kiombo kile utatumia. Ton serviteur Gabriel. Mtumishi wako Gabrieli. Puisses-tu être avec lui. Ukuwe naye Bwana. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes saints. Asante njua ile unafanyia batakatifu bako. Pardonne nos iniquités. Samema uovu yetu. Par le sang de Jésus-Christ. Kupitia damu ya Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Naomba hivi. Amen. Amen. J'invite les serviteurs. Namwalika mtumishi. Que le nom de notre Dieu soit loué. Et vijina ya Mungu wetu isifiwe. Nous savons que sa miséricorde pour nous mana est trop grande. Rema yake kwetu ni kubwa sana. Il est un Dieu merveilleux. Ni Mungu wa mashangao. Un Dieu miséricordieux. Mungu wa rehema. Il est le Dieu des croyants. Mungu wa baumini. Le Dieu de ceux qui espèrent en son nom. Mungu wa bale banategemea jina lake. Le Dieu de ceux qui se confient en lui. Mungu wa bale banamtumainia. Il est bon. Ni mwema. Quand vous vous confiez en lui. Ukimtumainia yeye. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je salue les hommes de Dieu. Na salimia batumishi ya Mungu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Mujina bwana wetu Yesu Kristo. Je suis encore dans la joie. Niko tena katika furaha. De voir notre berger parmi nous. Ya kumuona mchungaji wetu katikati yetu. Hier il n'était pas avec nous. Jana tukuwa naye. Nous savons que Dieu l'a épargné de tout danger dans le chemin. Tunajua kusema Mungu alimwepusha kwa hatari yote njiani. C'est là que le nom de notre Dieu soit loué. Ni pale jina ya Mungu wetu ipate kusifiwa. Salisha tsere chaque frère. Namlamkia kila ndugu na kila dada. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous souhaite un bon entendement de la parole. Na mitakia usikilivu wema wa neno. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Sans toutefois tarder. Bila kuponda muda. Je vous prie à vous lever. Na mialika mpate kusimama bwima. Pour lire la parole. Jutu isome neno ya Mungu. Nous lisons toujours dans notre écriture d'hier. Tuko paka muandiko yetu ya jana. Dans Apocalypse chapitre 5. Mukitabu ya Ufunulo sura 5. Nous commençons verset 1. Unanzia mstari wa kwanza. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Kisha nikaona mumkono ya kume ya yule aliketi juu ya kiti ya enzi. Un livre écrit en dedans et en dehors. Kitabu kimoja kenye kuandikwa ndani na nje. Scellé de sept sceaux. Kenye kufungwa na mihuri saba. Et je vis un ange puissant. Na nikamwona malaika wa uwezo. Qui criait une voix forte. Ule alikuwa anapaza sauti ya nguvu. Qui
est digne d'ouvrir les livres nani anastahili kufungua kitabu et d'en rompre les sceaux na kuvunja mihuri et personne na hakuna mtu dans le ciel kule mbinguni ni sur la terre wala kudunia ni sous la terre wala chini ya dunia ne puis ouvrir les livres nani aliweza kufungua kitabu ni le regarder wala kukitazama et je pleurais beaucoup na nililia sana de ce que personne ne fut trouvé digne kuvila pakuwa mwenye alistahili d'ouvrir les livres kufungua kitabu ni de le regarder wala kukitazama et l'un des veillards me dit lakini mmoja mbazee akaniambia ne pleure point usilie kamwe voici angalia le lion de la tribu de Juda simba wa kabila ya Yuda le rejeton de David chipuko ya Daudi a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux aliwina cho kufungua kitabu na mihuri ya saba yake et je vis na nikaona au milieu du trône et des quatre êtres vivants katikati ya enzi na baze makumi mbili na ine et au milieu et au milieu des veillards, na katikati ya baze, et nanyo qui était là comme immolé, mwana kondo alikuwa pale sawa mwenye kuchinjwa, il avait sept cornes, alikuwa na pembe saba, et sept yeux, na macho saba, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, yenye kwa maro saba ya Mungu alituma mulimwengu yote, il vint, akaja, et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône, na kukichukua kitabu mkono wa kumi mwa yule alikuwa ameketi juu ya enzi, quand il prit les livres, alipokichukua kitabu, les quatre êtres vivants, bale biumbe ine et les 24 vieillards na bazei 24 se prosternèrent baka sujudu devant l'agneau mbele ya mwana kondoo tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums kila mmoja alishika kinumbi na bikombe binye kuzana qui sont les prières des saints manukatu yenye kwa maombi ya batakatifu et ils chantaient cantique nouveau na balikuwa naimba mwimbo mpya en disant na kusema tu es digne unastahili de prendre les livres kuchukua kitabu et d'en ouvrir les sceaux kufungua mihuri car tu as été immolé sababu ulichinjwa et tu as racheté pour Dieu par ton sang na ulimununulia Mungu kwa damu yako des hommes de toute tribu batu ba kabila yote de toute langue ba lugha yote et de tout peuple ba taifa yote et de toute nation ba aina yote tu as fait de un royaume ulibafanya kuwa ufalme des sacrificateurs ba kuhani pour notre Dieu ajili ya Mungu wetu et ils régneront sur la Matamiliki pa dunia. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomiwa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Nous croyons dans vos prières. Tunaaminia maombi yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous continuons avec la lecture. Tunaendelea na usomi. Verset 11. Et je regardais. Na nilitazama. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Na kusikia sauti ya malaika mingi kuenzi. Des êtres vivants biumbe hai et des vieillards et leur nombre était de myriades de myriades hesabu yabo ilikuwa ni mamiliadi na mamiliadi et des milliers de milliers maelfu na maelfu et ils disaient d'une voix forte alikuwa anasema na sauti ya nguvu l'agneau qui a été immolé ule mwana kondo aliyechinjwa est digne de recevoir la puissance anastahili kupokea uwezo la richesse utajiri la sagesse hekima la force Nguvu, l'honneur, la, fumu, la gloire tukufu, et la louange. Na sifa. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, mbinguni, sur la terre, pa dunia, sous la terre, na kuzimu, sur la mer, pa bahari, et tout ce qui s'y trouve, ndani, je les entendis qui disaient kusema, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire utukufu, et la force. Force Ubu, au siècle des siècles. Daima. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amin. Et les veillards se prosternèrent et adoraient. Baze baka sujudu na kuabudu. Que le nom de notre Dieu soit loué. C'est très merveilleux. Ni ya mashangao kabisa. Cette scène se passe au ciel. Hii mafanikio ni kumbingu iko nafanikana. Les anges adorent Dieu. Ba malaika beko banamwabudu Mungu. Les 24 vieillards se prosternent devant Dieu. Bazee 24 beko na sujudu mbele ya Mungu. Bekanetil de nous. Sasa itakuwa mara ngapi na shee haba? Alleluia. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Nous parlons. Tuko na semezea. Sur un sujet intitulé. Juu ya kichwa mambo inaitwa le titre de propriété incontestable. Kibali ya aki ya kitu kile hakuna mtu anaweza kubisha. Alléluia. Amen.
Le titre de propriété incontestable. Kibali ya haki ya kitu kile mtu hawezi kubisha. Quelque chose qui est indéniable. Kile kitu mtu hawezi hata kukatala. Qui vous appartient à pro en propre. Kenye kwa kiako binafsi. Quelque chose qui ne peut jamais être attaqué. Kile hawezi hata kugombanisha. Par qui que ce soit. Kwa mtu yeyote. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé frère. Ndugu wangu mpendwa. Le petit papier que vous avez. Ile ukurasa kidogo kunayo. Le petit papier. Ile ukurasa kidogo. Qui est les taxes parcellaires. Yenye kwa ya lupango yako. Cela vous donne droit. Inakupa ruhusa. A votre parcelle. Inakuwa mpango yako. Personne. Hakuna. Alors personne. Basi hakuna. Ne peut attaquer cela. Anaweza kwa kuikombanisha ile ukurasa yako. Juu ya nini? Parce que cela. Juu ile. Vous a été délivré. Bali kupa yo. Par un officier. Kwa ofisa. Que Dieu bénisse. Hier nous avons essayé de définir qu'est-ce que c'est le titre de propriété incontestable. Le titre de propriété incontestable, c'est un acte notarié par un officier public et cela ne peut jamais être atteint. Alléluia. Cela ne peut jamais être attaqué. Par qui que ce soit. Vous pouvez avoir le titre de propriété. Mais le titre de propriété peut être attaqué. Et non peut venir. Non, cette parcelle m'appartient. Il va aussi brandir ses papiers. Vous allez partir à la justice. On va vérifier les deux papiers. Entre vous deux, il y aura quelqu'un qui aura le papier authentique. Alléluia. C'est ça le titre de propriété incontestable. C'est quelque chose que personne ne peut attaquer. Même Satan ne peut pas attaquer cela. Même le président de la République ne peut pas attaquer cela. Et le titre de propriété incontestable. Frère Branham dit, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé, il a créé toutes choses. Il a créé Adam. Adam était le roi. Adam ndiye alikuwa mfalme. Ou Adam était un petit dieu sur la terre. Adam alikuwa Mungu mdogo pa dunia. Dieu était le dieu de l'univers. Mungu alikuwa Mungu wa ulimwengu. Mais il lui a donné la domination de la terre. Lakini alimupa Adam umiliki wa dunia. Alléluia. Amen. C'est Adam qui régnait sur la terre. Adam ndiye alikuwa anaitawala dunia hii. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et un jour, na siku ingine, Dieu a réuni les animaux. Mungu anakusanya banyama bote. Il les a amenés vers Adam. Anabapeleka mbele ya Adam. Pour voir comment est-ce que Adam pouvait les appeler. Ili Mungu aone ngisi gani Adam atabapa majina. Tous les animaux. Banyama bote. C'est Adam qui les a nommés. Ni Adam alibapa majina. Alléluia. Dio. Il était un écoutelé en ce temps-là. Adam avait le droit à la vie. Adam alikuwa na ruhusa ya uzima. Adam régnait sur la terre. Adam alimiliki pa ulimwengu. Mais Satan qui était jaloux. Lakini Shetani alisikwa na buibu. Mais c'est que Dieu avait remis la domination de la terre à un homme. Ya vile Mungu alimupa mutu mamlaka ya utawala. Il a conçu une ruse dans sa tête. Alitunga bujanja mwakili yake. Et il est allé tromper Eve. Na nenda kumdanganya Hawa. Il a trompé Eve. Na kumdanganya Hawa. Adam a suivi sa femme. Adam anamfuata mke wake. Alléluia. Ndio. Et la terre est tombée. Na dunia ilianguka yote. Adam est tombé. Adamu alianguka. Sa femme aussi. Mke wake na ye. Et nous tous qui sommes la descendance d'Adam. Na sie bote benye kwa muzao wa Adam. Nous sommes tombés ensemble avec Adam. Ilianguka pamoja na Adamu. Alléluia. Adam qui avait le titre de propriété. Adam alikuwa na kibali kia haki. Lorsqu'il est tombé. Wakati alianguka. Dieu a repris ce titre. Mungu alikibeba. Et Frère Branham dit, Satan Shetani ne pouvait pas toucher ce titre de propriété avec ses mains sales. Le titre de propriété est retourné dans le main de, du possesseur originel. Alléluia. Et ce que nous venons de lire ici,
Sur le trône, Paezi, il y avait quelqu'un palikuwa mutu, qui avait la forme de jaspe, ule alikuwa na umbo ya ali ya jaspe, et de sardoine, na sardoani, qui était environné de 24 vieillards, alizungukwa na bazei 24, et de 4 êtres vivants, na biumbe ine hai, que nous avons dit hier, bale tusema jana, qu'elle avait la face du lion, tusema mumoja alikuwa na uso wa simba, l'autre la face du veau, mwingine uso ya mwana ngombe, l'autre la face de l'homme, mwingine uso ya mwana mutu, et l'autre avait la face de l'aigle, na huyu mmoja alikuwa na uso ya tai. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 4. Kwanza tusome ufunulo sura ine. Apocalypse chapitre 4. Ufunulo sura ine. Et après cela, na baada ya ile, j'ai regardé. Nilitazama. Et voici, nangalieni, une porte était ouverte dans le ciel. Mlango mmoja alikuwa wazi mbinguni. La première voix, sauti ya kwanza, que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, sawa vile sauti ya baragumu, et qui me parlait, dit, monte ici. Panda huku. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nitakuonyesha ile mambo itafika baadaye. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Pale pale nikashikwa na roho. Et voici. Nangalieni. Il y avait un trône dans le ciel. Palikuwa enzi moja mbinguni. Et sur ce trône, na juu ya enzi ile, quelqu'un était assis. Palikuwa mtu mwenye kuketi. Celui qui était assis, mwenye alikuwa kuketi, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alikuwa na hali ya jiwe ya jaspe na sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Na ile enzi ilifanana na upinde wa mvua yenye kufanana na zumaridi. Autour du trône. Kando kando ya enzi. J'ai vu 24 trônes. Nikaona tena maenzi 24. Et sur ce trône. Na juu ile maenzi 24. 24 êtres vivants. Biumbe ine 24. S'il vous plaît, et sur ce trône, 24 vieillards, assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Tajia zabu. Di trône sorte des éclairs. Mwenzi mulianza kutoka umeme. De voix. Masauti. Et des coups de tonnerre. Nyungurumo. Devant le trône. Bele ya enzi. Brille cette lampe ardente. Mata saba ilikuwa na waka. Qui sont les sept esprits de Dieu. Ilikuwa maro saba ya Mungu. Il y a encore devant le trône. Kuko tena mbele ya enzi. Comme une mer de pierre. Sawa vile bari ya likalasi. Semblable à du cristal. Yenye kufanana na kio. Au milieu du trône. Katikati ya enzi. Et autour du trône, kando kando ya enzi, il y avait quatre êtres vivants, palikuwa biumbe ine ai, rempli Dieu devant et derrière, yenye kujazwa na macho mbele na nyuma. Le premier être vivant, kiumbe kia kwanza ai, est semblable à un lion, kifanana na simba. Le second être vivant, kia pili kiumbe ai, est semblable à un veau, kifanana na mwana ngombe. Le troisième être vivant, kiumbe kia tatu, avait la face de homme, kilikuwa na uso ya mutu. Et le quatrième être vivant, kile kiumbe ai kia ine, était semblable à un aigle. Il fanana na tai. Chapitre 5 verset 1. Sura 5 mstari wa kwanza. Oui, je vis. Baada ya ile nikaona. Dans la main droite. Mkono wa kuume. De celui qui était assis sur le trône. Ya ule alikuwa mwenye kuketi juu ya enzi. Un livre écrit. Kitabu kenye kuandikwa. Au dedans. Ndani. Et au dehors. Na nje. Scellé de sept sceaux. Kenye kufungwa na mihuri saba. Et je vis un ange puissant. Na nikamwona malaika wa uwezo. Qui criait d'une voix forte. Ule alikuwa anapaza sauti ya nguvu. Qui est digne. Anasema nani anastahili. D'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne na hakuna dans les ciels mbinguni, ni sur la terre wala kudunia, ni sous la terre wala kuzimu, ne peut ouvrir les livres mwenye aliweze kufungua kitabu, ni les regarder wala kukitazama. C'était une scène terrible. Ilikuwa ni mafanikio ya ajabu kabisa. Alléluia. Amen. Là au ciel. Kule mbinguni. Lorsque Dieu était environné. Wakati Mungu alikuwa sazungukwa. Avec les 24 vieillards. Na bale bazei 24. Et les 4 êtres vivants. Na biumbe ine hai. Il y a un ange qui criait d'une voix forte. Palikuwa malaika alikuwa anapaza sauti ya nguvu. Qui est digne. Anasema ni nani anastahili. D'ouvrir les livres. Kufungua kitabu. Et de rompre les sceaux. Na kufunja mihuri yake. La Bible dit. Biblia nasema. Personne ne fut trouvé digne. Hakuna mwenye alikutanika anastahili. Ni dans le ciel. Wala mbinguni. Ni sur la terre. Wala pa dunia. Ni sous la terre. Wala kuzimu. Personne ne fut digne. Aliyekutanika mwenye kustahili. Alleluia. Amen. Et Jean. Na Yohana. Qui était là. Ule alikuwa pale. Comme il avait constaté que personne ne fut trouvé digne, il a commencé à pleurer. Et l'un de veillards,
vieillard a dit, na mumoja mubazea kamwambia, usilie tena. Voici, sasa angalia, le lion de la tribu de Juda, wa kabila ya Yuda, le rejeton de David, sipuko ya Daudi, a vaincu, aliwina, pour ouvrir le livre, kwa kufungua kitabu. Alleluia. Dio. Frère, Manduku, l'agneau, mwana kondo, l'agneau ici, huyu mwana kondo, il n'allait pas prendre le livre pour aller mourir à la croix. Il était déjà mort à la croix. Alléluia. Il était mort à la croix pourquoi? Pour aller ouvrir le livre. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Nous recommençons la lecture. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, na mmoja mbaze akaniambia, ne pleure point. Usilie kamwe. Voici le lion de la tribu de Juda. Angalia simba wa kabila ya Yuda. Le rejeton de David. Chipuko ya Daudi. A vaincu. Aliwina. C'est le passé composé. Ni mambo isapita zamani. Alléluia. Ndio. A vaincu. Aliwina. Il a vaincu pourquoi? Aliwina juu ya nini? Pour ouvrir le livre. Juu sasa akifungue kitabu. Et c'est ce tout so. Miuri yake saba. Jésus avait vaincu. Yesu aliwinaka. La Gethsemane. Pale ku Gethsemane. La victoire de Jésus. Ushindi wa Yesu. Consistait à se plier à la volonté de Dieu. Ulikuwa ni mkukubalia mapenzi ya Mungu. Lorsque Dieu lui avait montré la vision. Wakati Mungu alimpaka ono. De ce qu'il attendait. Wa ile mambo alikuwa anamongozea yeye. De toute la souffrance. Mateso yote. Qu'il allait endurer. Yeye alipasa kupitia. Jésus voulait se dérober. Yesu alitaka kukimbia. Mais il a dit, Seigneur. Lakini alisema Bwana. Si c'est possible. Kama inawezekana. Que cette coupe. Iki kikombe. S'éloigne de moi. Kiende mbali na mie. Mais toutefois. Lakini mara yote, que ce ne soit pas ce que moi je veux, mais que ta volonté se fasse. C'est averti de cette volonté que nous Mungu sommes sauvés. Alléluia. Mais bien aimé frère, le prix de notre salut, bei ya wokovu yetu, a été terrible. Ilikuwa ni hatari kabisa. Je vais vous faire une petite démonstration. Nataka mipako mfano moja kidogo kabisa. Imaginez, kumbukeni, si Gethsemane était au péage. Kama Gethsemane ilikuwa pa ushuru yetu hapa pa péage. Et Golgotha au niveau de Dezua. Na Golgotha ilikuwa ni pa kampuni ya Dezua. Représentez-vous. Ujionyeshe kwanza. Tout ce que Jésus en dirait. Bila Yesu alikuwa anapitia. Le fouet. Fimbo. C'est toi qui devrais l'avoir. Ni wewe balipasa kupika hayo. Alléluia. Ndio. Être dénudé, kuvula manguo, c'est toi qui devrais t'être laissé ici. Ulipasa kubakia uchi. Quitter péage, kutoka kushuru, jusqu'au dezua, paka na kudezua, sans vêtements, bila mavazi, avec une lourde croix, na kimusalaba kiabuzito. Alléluia. Dieu a dit, Mungu anasema, que ces gens, kumbe ya babatu, ils ne peuvent pas réussir. Abataweza ikazi. Comme ils avaient quelqu'un, savile balikuwa na mkuu, qui les avait représentés dans la chute. Ule alibatambulisha mkuanguka kwabo. Qui est notre père Adam. Aliye baba yetu Adam. Le premier Adam. Adam wa kwanza. Nous a représenté dans la chute. Alitutambulisha mkuanguka. Il est tombé lui-même. Alianguka kwanza il mwenyewe. Il a mangé le fruit lui-même. Alikula tunda mwenyewe. Mais nous mourons aussi aujourd'hui. Lakini sisi tunaanza kufia hapo nasi. Nous souffrons aussi aujourd'hui. Tunakuwa na tesekea hapo nasi. Parce qu'il était notre père. Alikuwa baba yetu. Il était le premier Adam. Alikuwa Adam wa kwanza. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Le premier Adam. Adam wa kwanza. Était un être vivant. Alikuwa kiumbe hai. Le second Adam. Lakini Adam wa pili. Celui qui est venu. Ule alikuja. Il n'est pas encore un être vivant. Kiumbe hai. Mais il est un esprit vivant. Lakini roho yenye kuwa na uzima. Il est celui qui nous donne la vie. Ndiye anayetupatia uzima. Notre vie. Uzima wetu. Nous la devons à Jésus-Christ. Tunabupata kwa Yesu Kristo. Notre salut. Wokovu yetu. Nous le devons à notre Seigneur. Tunaipaswa kwa Bwana Yesu Kristo. Mon bien-aimé frère. Mpendwa wangu ndugu. Si toi tu seras sauvé par tes mérites. Kama wewe utaokolewa kupitia kwa sahihi kwako. Personnellement. Mie mupeke. Je ne mérite pas. Si sahihi kitu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est suffisant pour moi. Yote ile nene. C'est la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. Tout ce qui est suffisant pour moi. Yote ile nene ya juu yetu. De Dieu. Ni neema ya Mungu devant tu. Dieu. Mbele ya Mungu. Un homme. Mutu. N'a aucun mérite. Ana na masaili hata mmoja. Alléluia. Ndio. Si nous. Kama si. On avait notre mérite. Tulikuwa na masaili yetu. Notre Dieu. Mungu wetu. Ne pouvait pas laisser la gloire qu'il avait là-bas. Asingeli acha utukufu alikuwa nayo mbinguni. Non, non. Hapana. Akuwa fanye nini pa dunia. Pour venir faire quoi sur la terre. Alipasha tu kutuonesha. Il devrait seulement nous dire que. Mungu na uwezo wa kuwezi kuokolewa. Vous avez le pouvoir, le mérite mais de vous sauver. Mais il avait qu'on ne saura pas.
Voilà pourquoi il est venu. C'est pourquoi moi, ba Christ, vous les chrétiens, ata wakati ya kiri, même le temps des deuils, mujue namu ya kuri, sachez comment pleurer. Kama unapenda kujua kule kuritoka lufu. Si vous voulez chercher d'où est venu la mort, ni Adam jwaleta lufu. C'est Adam qui nous avait apporté c'est la simple. Mort. C'est simple. La Bible dit. Bible nasema, car la mort est venue par un seul homme. Mana mauti ilikuwa kwa njia mtu mmoja tu. Alléluia. Ndio. Bale bote banaisha kwanza kutafuta njia. Tous ceux qui ont commencé à chercher la voie de la mort. Abaja pataka solution. Ils n'ont jamais eu de solution jusqu'alors. Kirio mufami. Le deuil dans la famille. Bakubwa. Oh, les vieux. Banaisha organisé. Ils s'organisent. Non, il faut kutafuta njia. Non, nous devons rechercher la voie, le chemin. Alléluia. Ah. Banenda. Ils vont. Banarudia. Ils rentrent. Ava expliquer njia. Ils n'expliquent même pas le chemin. Baripasha kurudia na ule alikufa. Ils devraient retourner avec celui qui est mort. Ils viennent si avec. Banenda kutafuta njia. Ils étaient partis chercher la voie, non, pour savoir où est-ce qu'il part. La mort est venue par un seul homme. Lufu ilikuwa kwa njia mtu moja. C'est notre père Adam. Nani baba yetu Adam. C'est lui qui est notre représentant dans la chute. Ndiye mwakilishi wetu mule mkuanguka. C'est lui qui avait mangé ses fruits défendus. Ndiye alikula ile tunda balikatazaka. Mais la loi de Dieu. Lakini sheria ya Mungu. Exigeait un substitut. Il y a muru kile kitamkombola. Il fallait quelqu'un. Il bidi ungine. Et c'est quelqu'un là. Na ule ungine ule. Devait être un proche parent. Alipasha kwa mzazi wa karibu. Alléluia. Ndio. C'est pourquoi notre Dieu. Ndio maana Mungu wetu. Il a pourvu lui-même à ses sacrifices. Sur la terre, personne. Akuno la lisaïl. Là au ciel, Kumbingu. Personne. Akukwa mutu. Alors Dieu, sasa Mungu, il s'est fait un corps. Alijifanizia mwili. Semblable avec le nôtre. Yende kufanana na mwili yetu. Un corps qui sent la douleur. Mwili unasikia maumivu. Un corps qui est sujet à des faiblesses. Mwili leko na siko na buzaifu. Un corps qui peut tomber malade. Mwili naweza kugonjwa. Un corps qui peut avoir faim. Mwili naweza kusikia njaa. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Réconcilier le monde avec lui-même. Akipatanisha ulimwengu na yeye pekee. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Mungu wetu. Il est allé mourir à la croix. Alienda kufa pa msalaba. C'est pour nous donner ce titre de propriété incontestable. Ni Dieu kutupatia ile kibali ya haki. Et ce titre de propriété incontestable. Ile kibali ya haki ya mtu hawezi kubisha. Nous donne droit à la vie. Kinatupatia ruhusa ya kuishi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham iko nasema. Lui qui est le prophète de l'âge. Yeye mwenye kwa nabii wa kizazi. Frère, banduku, je ne sais pas. Sijui. Ce que vous pensez quand je dis, lisons ce que le prophète a dit. Kile wako na waza nikisema tusome kile nabii aliandika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu nous a aimé. Mungu alitupenda. Il nous a donné même les prophètes. Na kutupatia ako nabii. Et nous l'acceptons. Asiye tunamuitika ule nabii. Frère, banduku. Tu dis que no Branham était aussi un homme. Unasema Branham naye alikuwa mtu. Mais oui. Ndio. Branham était aussi un Branham homme. Branham naye alikuwa tu mwanadamu. Depuis quand Dieu a déjà envoyé les anges? Tangu wakati gani Mungu asatumaka ba malaika? Si tu comprends la rédemption. Kama unaelewa a ukombozi. Tu ne peux pas dire cela. Auta usema vile. Dieu n'a jamais envoyé des anges. Mungu hayatumaka ba malaika. Moïse était un homme. Musa alikuwa mwanadamu. Elie était un homme. Elie alikuwa mwanadamu. Jean-Baptiste était un homme. Yohana mbatizaji alikuwa mwanadamu. Tu veux que Branham soit qui? Sasa unataka Branham akue nani? Il est aussi un homme. Naye ni mwanadamu tu. Alléluia. Ndio. Dans le plan de la rédemption. Mumabu ya ukombozi. Dieu n'utilise que les hommes. Mungu yuko anatumikisha mpaka wanadamu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes dans la brèche. Tuko mumulango. Paragraphe 100. Aya yake 100. Je vais lire en sautant. Tasoma mkutambuka tambuka. Nous commençons d'abord au paragraphe 90. Tuanze na aya 92. Avant Adam. Mbele ya Adamu. Jamais un arbre ne mourait. Hakuwa muti ile ilikuwa nakufa. Avant Adam. Mbele ya Adamu. Un animal n'aurait pas eu à mourir. Nyama akuweza kufa. Alléluia. Ndio. Paragraphe 93. Aya yake 93. Mais en mourant. Lakini mukufa. Comme je le disais dans les messages de ce matin. Ile nilikuwa naisema mujumbe ya hii asubuhi. Pour péché. Juu ya kutenda zambi. Nous avons vendu notre droit d'aînesse. Tuliuzisha haki yetu ya kuzaliwa kwa kwanza. Et nous avons traversé l'abîme. Na tunavuka kilindi. Si mukubwa. Paragraphe 100. Aya yake 100. Paragraphe 99. Maintenant, quand Adam a péché, wakati Adam alitenda zambi,
d'avoir écouté les raisonnements de sa femme ya mke wake, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Bali ya kusimamia paneno ya Mungu. Voilà ce qui a péché, ce qui a fait pécher Adam. Ni kile kilimutendesha Adam Zambi. Sa femme a raisonné avec Satan. Mke wake alifikiri pamoja na Shetani. Puis elle a présenté les produits à Adam. Kisha anamupa ile mwanamke alipata kwa Adam. Et Adam a abandonné la parole. Na Adam aliacha neno. Et a tout vendu. Na, kila kitu. Il a aussi vendu son héritage. Na, paka na buriti, quand il a perdu la communion qu'il avait usirika, nao. Et son droit à la vie. Na, aki yake ya kuzima. Souvenez-vous, kumbukeni. Le jour où tu y mangeras, siku ambayo utaikula, c'est ce jour-là que tu mourras. Ndio siku ile utakufa. Et quand il a perdu sa vie, na, wakati alipoteza uzima wake, il a aussi perdu l'héritage dans la vie. Ni pala lipoteza na urithi ndani ya uzima. Alléluia. Ndio. Ça je suis en train de lire les prophètes. Huyu niko namsoma ni nabii. Il a aussi perdu l'héritage dans la vie. Alipoteza na urithi ndani ya uzima. Parce qu'il avait autorité complète. Sababu alikuwa na mamlaka yenye kueneana. Et suprême sur la terre. Na ya juu kabisa pa dunia il yote. Il était Dieu. Alikuwa Mungu mdogo. Dieu au minuscule. Mungu mdogo. Dieu sur la terre. Mungu pa dunia. Dieu est le Dieu de l'univers. Mungu ni Mungu wa ulimwengu. Partout. Malipote. Mais son fils. Lakini mwana wake. Avait cette terre sous sa propre autorité. Alikuwa na tawala dunia yote. Il pouvait prononcer. Aliweza kusema. Il pouvait donner des noms. Aliweza kutuika majina. Il pouvait déclarer. Aliweza kutangaza. Il pouvait arrêter la nature. Aliweza kusimamisha il maumbile. Pouvait faire tout ce qu'il voulait. Aliweza kufanya kiote kila alitaka. Voyez-vous? Mnaona? Ainsi Adam. Ivi Adam. Pouvait dire. Aliweza hata kusema. Que la montagne. Kusema mulima. Qui est ici. Yenye kuwa hapa. Se transporte là-bas. Yame pale. Et c'était fait. Na ile mulima. Adam pouvait dire Adam aliweza kusema que l'arbre qui est ici muti yenye kuwa hapa se détache itukunike se déracine itukunike et soit planté là-bas ipandwe pale. Alléluia. Amen. Maintenant sasa ce n'est pas ce qu'on pourrait s'arrêter là-dessus. Aina pale tuliweza kusimamia tu. Adam a perdu son héritage. Adam alipoteza kaya yake urithi la terre. Dunia. Elle est passée de ses mains. Inatoka mu mikono yake. À celui auquel il a tout vendu. Inaenda kwa ule aliuza. Satan. Shetani. Il a vendu sa foi en Dieu par pour des raisonnements. Aliuzisha imani yake ndani ya Mungu kupitia mafikiri tu. Par conséquent, bali sa vie éternelle. Uzima wake wa milele. Son droit à l'arbre de vie. Haki ya kufika kumtia uzima. Son droit à la terre. Haki ya kumdunia. Ça lui appartenait. Ilikuwa yake. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Alibipoteza byote mikononi mwa Shetani. Et il a fait passer de ses mains à celle de Satan. Na anabitosha yake mikono na mupatia byo Shetani. Paragraphe 116. Aya yake 116. Maintenant. Sasa. Oh là là. Oh là là. Maintenant. Sasa. Les titres de propriété. Ah, kibali yake ya kitu. Confisqué. Kile bali nyanganya. Et maintenant entre les mains du propriétaire originel. Kiko sasa mu mikono ya mwenye alikiandika kibali kile. Le Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi. Les titres de propriété. Kibali yake. Qui donne droit à la terre kina rusu kudunia, et à la vie éternelle. Na kuzima wa milele. Adam l'avait perdu. Wakati Adam alipoteza ile kibali. Les mains sales de Satan. Mikono ya buchafu ile ya Shetani. Ne pouvait pas le prendre. Haikupasa kuchukua kile kibali. Alors il est retourné. Basi kibali kilirudiwa. À son propriétaire originel. Kwa mwenye alikiandika mwanzo. Mungu mwenyewe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Paragraphe 118. Aya yake 118. Qu'est-ce que le livre de la rédemption? Kitabu ya ukombozi ni nini? C'est ce titre de propriété. Ile kibali ya haki. Ce titre de propriété incontestable. Kibali ya haki ya kitu kile hakuna unaweza kukibisha. Vous dites. Munasema. Incontestable. Kiasho kubisha. Incontestable ça veut dire. Kiasho kubisha maana yake. Écoutez comment est-ce que Frère Branham défini. Musike namna ndugu Branham anafasiria. Le titre de propriété incontestable. Kibali ya haki ya kitu kile hakuna unaweza kubisha. Incontestable. Sio bishakana. Ça veut dire. Amana yake. Kini recherche approfondie a été faite. Nikusema palikuwa utafiti ya ndani kabisa. Kone remonter jusqu'à son origine. Bali shuka timpaka na kumwanzo wa ile kitu. Comme cette petite
goutte d'encre de ce matin. Ça vile itoni ndogo ya kalamu ya subuhi ya leo. Quand elle est tombée dans le décolorant. Wakati iliangukia mule murangi. Elle est retournée jusqu'à son origine. Ilirudia vile ilikuwa kwa mwanzo. Et quand le péché. Na wakati zambi. A été confessé. Ilikiri. Et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ. Na inanguka ndani ya damu ya Yesu Kristo. Oh la la. Oh la la. Ça produit un titre incontestable. Inaleta kibali kile hakuna vous retournez tout droit au créateur. Vous devenez fils de Dieu. Le titre de propriété incontestable. Kibali ya haki kile hakuna uzibisha. Entre les mains de Dieu tout puissant. Kiko mikono ya Mungu mwenyezi. Paragraphe 119. Aya yake 119. Sa rédemption. Ukombozi wake. Signifie. Amana yake. La possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Kupokea kwa alali kwa kile kiote kilipotezwa na Adam na Hawa. Alléluia. Amen. Vous comprenez la rédemption. Unasikia maana ya ukombozi. C'est avoir tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Ni kupokea bile biote Adam na Hawa balipoteza. Adam avait perdu Adam, le titre de propriété. Adam a l'hypothèse qu'il est kibali ya haki. Comme ce titre de propriété. Il est retourné dans la méditation tout puissant. Il est retourné dans la méditation tout puissant. Tous ceux qui ont reçu la rédemption. Kupale bali pokea ukombozi. Ils reçoivent ça. Bana kipokea kibali ya ukombozi gile. Alléluia. Ndiyo. Vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Mutaelewa kile tunataka kusema. Sa rédemption signifie. Ukombozi wake unamaanisha. La possession légale. Kupokea kwa alali. Complète de ce qui a été perdu par Adam et Eve. Tena kwenye kweniana kwa kile kilipotezwa na Adam na Hawa. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Sasa ile mambo ilipasa kufanya nini kwa Mkristo mwenye kuzaliwa mara ya pili? La possession légale du titre incontestable. Kupokea kwa alali kwa kibali kile hakuna anayeweza kupisha. Titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Inamaanisha kusema unapokea tena bile Adam na Hawa balipotezaka. Alléluia. Oui. Écoutez. Musikie. Ce que notre bien-aimé frère dit. Kile ndugu yetu mpendwa yuko anasema. Dans la prédication. Mumahubiri. Une délivrance totale. Ufungulivu yenye kweneana. Paragraphe 92. Aya yake 92. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous commençons au milieu. Tuanzie katikati ya aya ile. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Atuna tena ruhusa ya kuishi mwali ya kushindwa. Alléluia. Amen. Celui qui a le titre de propriété incontestable. Ule kona kibali ya haki ya kitu kile ambacho kumisha. N'a pas encore le droit de vivre dans un état de défaite. Ana na wakati ya kuishi tena mwali sasa mtakuwa wina. Nous avons déjà vaincu. Tusha wina zamani. Il y a celui qui a vaincu pour nous. Kuko ule alituwinia. Jésus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Hier nous avons dit Zana que kuwa, le combat était très difficile. Vita ilikuwa ya ajabu kabisa. Celui qui a été vainqueur. Il avait sorti avec des blessures. Alipasa partout. Kutoka na bilonda mahali pote. Jésus Christ. Yesu Kristo. Il était meurtri. Alikuwa mwenye kumizwa. Il avait des blessures partout. Alikuwa na bilonda fazi yote. Damu ilikuwa na mvuya mwili mzima. Qui a été vainqueur. Lakini ule baliwina. Il est dans quel état? Atakuwa mwali kani? Alléluia. Ndio. Frère, Banduku, c'est lui le vainqueur. Mushindaji ule anawina. Il a des blessures partout. Eko na bilonda mwili mzima. Il est même mort. Anakufa hata kipande. Le vainqueur. Mushindaji. Mais c'est lui le vainqueur. Si yeye ndio mshindaji. Jésus Christ. Yesu Kristo. C'est lui le vainqueur. Ndiye mshindaji. Alléluia. Amen. Mais il est sorti avec des blessures partout. Lakini alitoka na bilonda mwili mzima. Il a vaincu qui? Aliwina nani? Il a vaincu Satan. Alimwina shetani. Mais expliquez-moi maintenant l'état de Satan aujourd'hui. Munyambie ko ile ali shetani anapasa kuwa na yeye. Shetani banesha kumvunja. Le diable est brisé, fracturé. Dieu nous a déjà remis. Mungu asaturudishia. Notre titre de propriété. Kibali ya haki yetu ya kitu kile mtu anasubisha. Nous n'avons pas besoin. Kumbe atulazimishwe. De vivre dans un état de vaincu. Kuishi mwali saba satuwina hapana. Nous ne sommes pas dans un état de défaite. Hatuna mwali ya kushindwa. La maladie Magonjo. Doit nous craindre nous. Il n'a pas ça que tu ogopa. Satan Dio, doit nous craindre nous. Si vous avez le titre de propriété, cela peut être contesté.
Un jour, dans la Bible, il y a eu les enfants de Sheva qui ont allé prier pour un homme. Alléluia. Amen. Ils avaient le titre de propriété. Ils sont allés prier pour un homme. Et cet homme a dit, vous qui êtes-vous? Moi, je connais Paul. Et je connais Jésus. Yesu, mais vous qui êtes-vous? Ils avaient le titre de propriété. Et Satan avait contesté cela. Si vous avez le titre de propriété incontestable. Alléluia. Frère, Banduku, dada, ma soeur, si tu as reçu ça, le titre de propriété incontestable, c'est quoi? Ce n'est pas le livre là. Aujourd'hui, Léo, le titre de propriété, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, personne ne peut te renier comme tu es chrétien. Alléluia. Oui. Frère, Banduku, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas par orgueil, mais c'est la vérité. Frère Branham disait, Billy Graham ne vaut pas la moitié des frères Neville. Anatamu kipande ya ndugu Neville. Alléluia. Amen. Billy Graham ne vaut pas la moitié des frères Neville. Anatamu kipande ya ndugu Neville. Les pasteurs dénominationnels. Bachungaji bakizebu. Ne vaut pas la moitié de notre. Abanatamu kipande ya mchungaji wetu. Mais comment est-ce que les brebis, leur brebis, zeba minifu yabo, peuvent nous dépasser nous en sainteté? Banaweza kutushindia chez mubutakatifu? Impossible. Haiwezekani. Impossible. Haiwezekani Banduku. Si leur pasteur. Kama bachungaji yabo. Ne vaut pas la moitié de notre pasteur. Abanatamu kipande ya mchungaji wetu. Nous aussi. Kumbe na siye. Leur brebis. Ba minifu yabo. Ne vaut pas notre moitié. Abanatamu kipande ya. On ne peut pas parler d'un chrétien dans notre quartier si on ne cite pas mon nom. Alléluia. On ne peut pas parler d'un bon chrétien mwema dans mon quartier si on ne cite pas mon nom. Kama c'est moi qui dois être un bon chrétien. Ni kwa mkristiani mwema. C'est toi qui dois être un bon ni chrétien. Unapasa kwa mkristiani mwema. Un bon chrétien dans toutes choses. Mkristiani mwema mukila jambo. Juu ya nini? Nous, si, eh? Frère, Banduku. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki tu. Frère, abantu munaona. Les gens que vous voyez ici, ils ont l'écriture. Bobeko na maandiko tu. Parce qu'ils lisent ça. Sababu boko na isoma. Ils étudient ça la, bana, dans la théologie. Bana isoma kule kutulijia kushule yapo. Mais kama kuko bale beko mambo ya Mungu si, ya kweli. Ceux qui sont dans les affaires de Dieu véridiques. Ceux qui se trouvent réellement. Bale bana chikuta kikweli. Dans les affaires de Dieu. Mu mambo ya Mungu. C'est amen. Soyez ainsi. Mouez soua. Ne doutez pas un seul instant. Alléluia. Nous sommes dans le programme de Dieu pour aujourd'hui. Écoutez ce que Paul Pierre disait. Pierre dit ceci. Petro anasema hivi. Dans 1 Pierre. Mu Petro wa kwanza. Il dit ceci. Anasema hivi. Supportez-moi un peu. Ni vumilie ni kidoko. Je pense que c'est dans 2 Pierre, chapitre 2. Kazana Petro wa pili sura yake ya pili. L'apôtre Pierre dit ceci. Tume Petro eko nasema hivi. Je ne me retrouve pas, mais il dit ceci. Ye anasema hivi. Afin que vous soyez affermis. Juu mupate kusikamanishwa. Dans la vérité présente. Katika kweli ya leo. Quand Pierre disait en ces temps-là. Wakati Petro eko nasema mwile wakati kuna ishi ye. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est-à-dire en ce temps, yake, il y avait aussi une vérité passée. Alléluia. Dio. Nous, si, nous sommes dans la vérité présente. Tuko ndani ya kweli ya leo. Le message de l'air. Ujumbe ya wakati. Nous avons lu avec vous hier. Tulisoma nanyi jana. Dans la prédication. Maubiri. Les sauts.
et Pâques. Muri wa Pasaka. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est en train de chercher des cœurs sincères qui croiront ce message. Alléluia. Oui. Le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut croire ce message. Croyez cela. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, c'est l'élevé du soleil. Paragraphe 246. Le dimanche passé, c'était le Pâques. Je sais que vous êtes au courant de ça. Alléluia. Il y a eu Pâques. Ils ont festivoyé. Ils se sont envoyés des cadeaux. Mon berger m'a sauvé. C'est dans 1 Pierre. Chapitre 1. 2 Pierre. Chapitre 1. Verset 12. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Écoutez. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Amen. Au temps de Pierre. Pour être un bon chrétien, il fallait croire ce que Jésus était venu dire. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est ceux qui avaient reçu le message de Jean-Baptiste. Alléluia. Il y a eu Pâques, je disais. Les gens se sont envoyés des cadeaux. Ils ont festivoyé. Alléluia. Amen. Ils ont orné des églises. Palipamba makanisa. Mais frère Branham dit. Lakini ndugu Branham anasema. Quelle est la portée du jour de Pâques? Ni amana kani iko musiku ya Pasaka. Pour nous les chrétiens. Kuseba kristiani. C'est le plus grand jour. Ni siku kubwa sana. Parce que c'est le jour où nous célébrons notre victoire. Sababu ni siku ambayo tunasherehekea ushindi wetu. Parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Wakati Yesu Kristo alifufuka. Nous qui étions morts avec lui. Sema bali kufaka na yeye. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Tulifufuka pamoja na Yesu Kristo. C'est pourquoi. Ndio amana. Aujourd'hui. Leo. Nous les chrétiens. Sema kristiani. Nous sommes déjà en tout ça n'y a kuliwa. Alléluia. Nous vivons sur la terre. Mais nous nous affectionnons aux choses du ciel. Alléluia. Je ne vais pas dire que nous vivons déjà dans le millénaire. Alléluia. Nous nous affectionnons pour des choses du ciel. Alléluia. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit dans la prédication. C'est l'élevé du soleil. 246. C'est semblable. L'expérience pentecôtiste aujourd'hui et la venue du Saint-Esprit comme promis en ces derniers jours. C'est semblable au titre incontestable d'une propriété. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ça le titre d'une propriété incontestable. Bon, vous pouvez avoir un titre. Bien sûr, vous pouvez avoir un titre pour une propriété, mais encore là, ce n'est pas ce qui va déclarer qu'elle vous appartient. Non, monsieur, quelqu'un de bien loin en arrière pourrait venir et revendiquer cette propriété. Mais quand vous avez un titre incontestable, il démontre que tout ce qui aurait pu porter préjudice a été effacé. Alléluia. Et quand un homme
qui croit la parole. Mwenye anamini neno. Ensuite, kisa, quand le Saint-Esprit vient, Roho Mtakatifu akija, c'est le titre de propriété incontestable. Ndio kibali ya haki ya mali ile. Et cela vous donne l'autorisation. Na inakupa ruhusa. Quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque promesse, sasa pale kila malako, chaque parcelle de promesse, kila sehemu ya malako, vous appartient. Inakuwa ya kwako. Alléluia. Chaque promesse vous appartient. Malako inakuwa quand ya kwako, vous avez ce titre de propriété incontestable. Ya haki ya kitu kila kuna wanazukubisha. Alléluia. Chaque promesse malako, kila malako, vous appartient. Inakuwa yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et pour avoir le Saint-Esprit, na Dieu kumpata Roho Mtakatifu, c'est alors que Dieu ni pale sasa Mungu va accomplir en vous atatimiza ndani la mwako promesse qu'il a faite à Abraham. Malako alimfanyia Ibrahimu, que toutes les nations de la terre, mataifa yote ya dunia, seront bénies à toi. Itabarikiwa ndani yako. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Na sisi tuko batoto ya Ibrahimu. C'est lorsque nous avons le Saint-Esprit. Ni wakati tu tunampata Roho Mtakatifu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, kama bado haujampata Roho Mtakatifu, tu n'es pas un enfant d'Abraham. Haujakuwa mtoto wa Ibrahimu bado. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai lu et je m'arrête par là. Nasoma na kusimamia pale. Nous sommes la semence d'Abraham. Tuko mbego ya Ibrahimu. Nous sommes la semence d'Abraham. Sisi ndio mbego ya Ibrahimu. Et nous sommes les porteurs de promesses. Na tuko bachukuzi benye banabeba malako. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas vivre dans un état de vaincu. Atutaishi tena mnamuna saba chakutuina hapana. Devant la maladie. Mbele ya magonjwa. Nous sommes des vainqueurs. Tuko bashindaji. Devant la mort. Mbele ya mauti. Nous sommes des vainqueurs. Tuko bashindaji. Écoutez. Sikie. C'est dans la prédication. Ni mumahubiri naitwa. Possédant les portes de l'ennemi. Ushika mlango wa adui. Paragraphe 35. Aya yake 35. Les hommes ne sont pas infaillibles. Batu abawezi kushindwa. Mais Dieu l'est. Mungu ye anaweza kushindwa. L'homme mutu. Si vous regardez à l'homme, kama unaangalia kumutu, il commettra une erreur. Atafanya kosa fulani. Peut-être pas volontairement. Pengine ina kumakusudi tu. Mais il le fera. Lakini anafanya kosa. Dieu permet qu'il le fasse. Mungu anaruhusu ule mtu afanye kosa. Afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Kusudi wewe upate kutosha imani yako ndani ya ule mtu. Imani yetu. N'est pas dans la sagesse de l'homme. Haina hekima ya kibinadamu. Mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Uwezo ya ufufuko ya Yesu Kristo. C'est là la véritable semence d'Abraham. Ndio mbego ya kweli ya Ibrahimu. C'est là que la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Ni pale mbego ya Ibrahimu ya kweli na tula malako yake. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Parce qu'il ne peut pas être la semence d'Abraham. Tu abawezi kuwa mbego ya Ibrahimu. Que lorsqu'il reçoive le Saint-Esprit. Paka tu bakisampokea Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. Ils ne sont pas la semence d'Abraham. Abaja kuwa mbego ya Ibrahimu bado. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, qui nous donne droit à la vie. Anatupatia ruhusa ya kuishi milele. Alléluia. Ndio. Qui nous donne droit. Anatupatia ruhusa. De marcher la tête haute. Ya kutembea kichwa bwima. Nous sommes les vainqueurs. Usema sisi ndio washindaji. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Tupeko ule alishinda. Il a vaincu. Aliwina. Pour ouvrir les livres. Ya kufungua kitabu. Et rompre les sceaux. Na kuvunja miuri yake. Et il a fait de nous ses enfants. Anatufanya kuwa bake batoto. Parce que nous croyons. Sababu tunaamini. Dans l'œuvre qu'il a fait pour nous à Golgotha. Kazi aliyoitimiza juu yetu pa Golgotha. Adam qui nous a représenté dans la mort. Adam alitutambulisha mnufu. Bali mkombola. Kwa mwingine na ule mwingine alipata kwa mzazi wa karibu yetu leo na ule alimkombola ni Bwana Yesu Kristo. Et dans le droit du rachat na mule mwake ya ukombozi Mungu alisema sera que qu'un proche parent anapaswa kwa mpaka mzazi yako wa karibu sawa Boaz avec Ruth na Ruth et Naomi na Naomi. Alléluia. Amen. C'est Boaz qui était le proche parent. Ni Boaz ndiye alikuwa kama mzazi wa karibu. Écoutez ce que Naomi avait dit à Ruth. Musikie kile Naomi alimwambia Ruth. Dans Ruth chapitre 3. Mukitabu ya Ruth sura 3 verset 18. Mstari wa 18. J'aime beaucoup ce verset. Napenda kabisa hii sura. Ça me réconforte. Inanitia nguvu kabisa. Alléluia. Il dit ceci. Anasema hivi. Et Naomi dit, Naomi akasema, sois tranquille ma fille, tulizana binti wangu, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Paka ujue mambo itaisha je. Car cet homme, sababu huyu mtu, ne se donnera point de repos, asitapumzika, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Paka aishe hii kazi mambo leo. Non
notre Sauveur Mokozi wetu ne s'est pas donné du repos. Hakupumzika. Alléluia. Il a tout donné. Alifanya il s'est kitu. Sacrifié alijitoa kabisa. La Gethsemane. Pale ku Gethsemane. Dieu lui a donné la vision. Mungu alimupa ono. C'était une vision insupportable. Ilikuwa ni ono ambayo hawezi kuvumilia. Si c'était toi. Ingelikuwa wewe ile siku. Pour ton propre salut. Juu ya wokovu yako tu. Ulipasa kukimbia. Même moi-même. Hata mie huyu. Pour mon propre salut. Juu ya wokovu yangu. J'ai des frères fouilles. Nilipasa kukimbia ile kazi. Mais Jésus a dit. Lakini Yesu alisema. Oh, que ma volonté ne s'efface pas. Ma kutaka kwangu kusifanyike. Mais que ta volonté. Lakini mapenzi yako wewe. Et la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. C'était que Dieu ait des enfants ici à Lualaba. Ilikuwa ni Mungu akuwe na batoto umumulalaba. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Si vous croyez cela, vile, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Dieu ne s'est pas donné du repos. Mungu akujipumzisha batu. À cause de nous. Kwa ajili yetu si. Il a marché sur la terre. Alitembea pa dunia. Les hommes se sont moqués de batu lui. Batu yaki. Il n'avait ni maison. Hakuwa na nyumba. Ni mettre sa tête. Upazi ya kweka kichwa yake. Alikuwa na wayawaya fazi yote. Jésus n'avait pas d'adresse. Yesu hakuwa na anwani ya kutupatia. Kwa ajili yetu. Pour nous donner la vie. Dieu a kutupatia uzima. Pour nous donner ce titre de kutupatia kile kibali kia haki ya kitu. Nous sommes aujourd'hui des enfants. Leo tunakuwa watoto ya Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour ce soir. Kwa mangaribi ya leo. Nous arrêtons pas. Tunasimamia hapa. Que notre Dieu soit loué, puisque nous sommes édifiés. Mana, Dieu vient de nous parler et nous avons obtenu la consolation à réaliser que notre héritage que nous avions perdu, personne ne pouvait racheter ça pour nous. Ton père ne pouvait plus. Baba yako ashukwe na uwezo. Aucun homme riche ne le pouvait. Qu'est-ce que nous avions perdu? La vie éternelle. Uzima ya milele. Amen. Amen. Et par la vie éternelle, na kupitia uzima ya milele, on a perdu tunapotesha la paix éternelle, na salama ya milele, la santé éternelle. Tout ce qui était bien que Dieu avait donné à Adam, nous l'avions perdu parce que Adam qui nous représentait était tombé dans le péché. Et que par ce fait, le livre mystérieux où il y avait tout le plan de Dieu était récupéré dans la main de Dieu. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui aille prendre ce livre parce que c'est là qu'il y avait le secret pour le salut de l'humanité. Si Jésus n'avait pas récupéré ce livre, on ne prêcherait pas aujourd'hui la parole. Alléluia. Jésus ne serait même pas né. Jésus angezaliwa. Jean qui a vu ça, Yohana ula rona vile, il a regretté, regrette, il a pleuré amèrement, analia kwa uchungu, parce que l'humanité était réduite au néant. Ju ulimwengu yote ilianguka mubule. Mais aujourd'hui, sasa leo, amen, cela nous est remis. Yo, baturishia yo. Puisque Christ est allé le récupérer entre les mains de Dieu. Mana Christ alienda kuichugua mikono ya Mungu. C'est pourquoi les anges disent, Yoko mana bamalaika wanasema, louange, sifa, honneur, heshima, gloire, kavumu, force Nanguvu, lui soit rendu. Les anges se réjouissent parce que l'humanité est sauvée. Dunia inaokolewa. Je ne sais pas si tu comprends ça. Mi shweka onelewa imambo, eh? Donc toi et moi, nous sommes concernés dans cette chose. Bana tuweka muimambo. Aujourd'hui, Léo, moi je n'ai pas peur de la mort. Mishina tena boka na lufu. Parce que la mort est déjà vaincue. Au-delà de la mort, il y a la résurrection. Nambo ya lufu, kuko ufufuko. Amen. Amen. Aujourd'hui, Léo, nous savons que la terre nous est déjà remise. Banesha kuturudishia mikono. Au temps fixé, shiku ile tafika. Nous vivrons éternellement sur cette terre. Tutaishi milele pa hii dunia hii. Ces choses doivent nous réjouir, mes frères. Ibi bintu binapashi tupatia furaha.
Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Comment boya Mungu? C'est ça les choses de Dieu. Hana kuchia tout temps boule ici. Ce n'est pas venir passer le temps pour rien. Ah, kushikia mambo ya Mungu mzuri. C'est écouter bien les choses de Dieu. Tunakuwa na matumaini leo. Là, nous avons l'espérance. Kama natembea. Si je marche. Mina gonjwa. Même si je tombe malade. Bon, c'est rien. Aina kintu. Parce qu'un jour, Joshigu moya. Je sais que mina yua. J'aurai une santé parfaite. Takuya kana afya njema ya milele kamili. Parce que Jésus a payé la rançon. Ju Yesu ariri pa ile deni. Aujourd'hui, leo, si vous n'êtes pas sauvé, kama okoleo, c'est ton problème à toi. Ni mambo yako inakuangalia. Parce que le prix est déjà payé. Ju yo bei basho ili paka tamani. Aujourd'hui, leo, si tu es un voleur, kama okingari mwizi, c'est ton problème à toi. Ni mambo yako inakuangalia. Aujourd'hui, leo, si tu souffres comme un adultère, kama kuna teswa sa msharati, c'est ton problème à toi. Ile ni mambo yako. Jésus avait déjà payé la rançon. Tu n'as pas droit de souffrir comme un adultère. Kama na rusa tena onzo teswa sa msharati. Comme un voleur. Sawa mwizi. Aujourd'hui, leo, tu as droit kuna rusa de devenir yakuya enfant de Dieu. Mungu. Tout ça c'était vrai. Dans ce livre de rédemption là. Yo tele mambo ilikuwa mwile kitabu ya ukombozi. Il y a le ministre aujourd'hui. Kuku batumishi leo. Est-ce que ce livre était récupéré? Jo ile kitabu barikibeba. Christ a lu tout ce qui était écrit là. Christ anasoma biote ile. Tout le programme de Dieu. Maoroza yote était dans ce livre là-bas. Ile barikuwa pesha kwa njika. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe sana. Prions aussi pour les serviteurs de Dieu. Tumombe mtumishi wa Mungu. Qui lui donne encore plus. Mungu ampatie zaidi tena. Pour la bénédiction de cette église. Jo ya baraka ya kanisa. Nous allons chanter et nous allons prier. Vous les instrumentistes, donnez d'abord la gamme de ces cantiques. 83, héritier, vous êtes là. 83 collections de cantiques. 83. Oui, et puis nous tous, nous allons chanter ensemble. Conduisez sa frère. Okay. Je t'ai perdu dans ces mondes, loin de ta face, oh Seigneur. Pas comme des anges. À notre manière. Quiconque sait. Aujourd'hui. Réellement. Il est sauvé. Quand il pense à ça. Il doit remercier le Seigneur. Amen. Amen. Et vouloir vivre. Dans le sérieux. En sanctifiant le nom qui nous a sauvés. À vivre à la légèreté. Amen. Amen. Priez le Seigneur. Le Seigneur a tout fait. Tu n'as qu'à croire. Et tu vivras ce que le Seigneur a fait. Être sauvé.
C'est une réalité. Prions tous les Seigneurs.